Bonjour, 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 bonjour. Bonjour la famille. Bonjour tout le monde. Voilà, juste un petit direct. Un petit direct pour dire bonjour à tout le monde. Parce que nous étions en direct depuis le lundi. Et le lundi, on n'a pas eu de direct. Aujourd'hui, je voulais juste dire bonjour à quelqu'un. Pour dire qu'on est en contact, on est ensemble. Bonjour Bernadette Gigi. Eh, la grande sœur. La grande sœur et son petit. Comment ça va? Eh, hey, salut Beryl. Alors, voilà, j'aimerais juste m'entretenir un peu avec vous. Pas grand chose à dire, mais au moins, je sais qu'il y a toujours quelque chose à dire. Et s'il y a toujours quelque chose à dire, c'est Dieu qui le permet. Ok? C'est grâce à Dieu que nous sommes là. Et c'est encore grâce à Dieu que nous sommes en vie. Merci Seigneur pour tout, c'est déjà suffisant. Le reste viendra après. J'aimerais vraiment que le Seigneur bénisse ses enfants. J'aimerais que le Seigneur fasse quelque chose pour ses enfants. J'aimerais qu'il les bénisse, j'aimerais qu'il les élève, j'aimerais qu'il leur ouvre les portes. Mais bien aimé, il est très important que nous-mêmes, en tant qu'enfants de Dieu, nous sachions réellement ce que nous voulons. Vous allez toujours remarquer que chaque fois qu'un enfant de Dieu décide de se concentrer sur quelque chose, il y a comme un problème qui survient. Un malheur qui survient, un incident qui survient, quelque chose qui vient comme pour l'empêcher de se concentrer. Il est donc important que, autant que nous sommes, nous apprenions à nous focaliser sur nos objectifs. Ce que j'aimerais dire durant cette petite balade en voiture que je suis en train de faire avec vous, c'est de vous dire que si réellement vous vous engagez à prier, le Seigneur vous exaucera. Il n'y a jamais une seule prière bien faite qui ne sera jamais répondue. Toutes les prières bien faites sont toujours exaucées. Mais les enfants de Dieu ont un problème. Un problème qu'ils doivent vraiment apprendre à régler. Ce n'est rien de compliqué, bien-aimé, ni rien de complexe. Le plus important consistera du moins à savoir ce que vous voulez réellement. Je me suis parfois posé la question de savoir. Parfois je me disais, mais est-ce que c'est parce que j'ai quelque chose que je fais que certains ne font pas? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'ils font? Mais bien aimé, le péché est mauvais, nous le savons. Ça là, il n'y a même pas quelqu'un qui a besoin même de nier ça. Le péché nous détruit. Le péché nous tue à petit feu. Le péché nous livre au diable. Le péché nous bloque. Mais si c'était seulement qu'une question de péché, on peut dire que le monde entier serait déjà détruit. Vous le savez autant que moi. Si c'était seulement qu'une question de péché. Mais parfois, ce n'est pas une question de péché, bien-aimé. Parce que quand vous regardez cette terre des vivants, vous allez remarquer que beaucoup d'hommes se débrouillent pour avancer. Nous ne sommes pas tous aussi saints. Mais pourquoi certains sont bénis et certains ne sont pas bénis? Il y a une différence. Le truc, c'est que il y a des gens qui, malgré qu'ils vivent dans le péché, n'ont pas les mêmes catégories de problèmes que nous.
Il y a des gens qui, malgré que ils font n'importe quoi, ils n'ont pas, bien aimé, le même problème que nous. C'est la vérité. Il y a des gens qui, malgré que, bon, on peut dire qu'ils ont la tête en l'air, vous allez remarquer que ils n'ont pas les mêmes problèmes que nous. Maintenant, quant à nous, dont le sang, la fondation, a été mêlée à certaines choses. Salut Cathy. Quant à nous qui pour rien, on a un ennemi. Quant à nous qui pour rien, c'est la jalousie. Quant à nous qui pour rien, nous sommes combattus, jalousés, oppressés, jugés et condamnés pour rien. Bien aimé, n'importe quoi peut causer un obstacle dans la vie d'un enfant de Dieu de cette manière. Donc, si un enfant de Dieu qui pense qu'il a des problèmes, qu'il a des difficultés, qu'il a des ennuis, qui veut lutter pour sortir de ses ennuis, doit savoir réellement ce qu'il veut. Quand tu regardes les enfants de Dieu, bien aimé, le premier constat que tu fais, c'est que beaucoup ne savent pas exactement ce qu'ils veulent. Analysez ce que je dis et vous allez voir. Les enfants de Dieu ne savent pas réellement ce qu'ils veulent. La plupart du temps, nous entrons dans le combat spirituel, mais désorientés. Il y a des gens qui prient et qui n'ont pas d'objectif fixe. Et vous devez savoir que, comme je le dis très régulièrement, le diable est malin. Et quand il veut bloquer quelqu'un, il va bloquer l'unique chose qui peut constituer pour lui un sujet de joie. Et c'est exactement ça qu'il va aller bloquer. Donc, dans ta vie là, quand tu es en train de prier pour obtenir quelque chose, quand tu es en train de prier pour que Dieu te fasse grâce, quand tu es en train de prier pour avoir quelque chose, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois être focalisé sur l'objectif principal. Tu dois mettre la distraction de côté. Tu dois comprendre que dans la vie, actuellement, ton bonheur, ta joie dépendent d'une chose. Une chose qui est bloquée dans ta vie et qui est en train d'engendrer tous tes malheurs. Une chose qui est bloquée dans ta vie et qui te met en retard. Une chose que tu dois obtenir, que tu n'obtiens pas depuis des années et qui te retarde. Une chose qu'on doit t'accorder et que tu n'arrives pas à avoir. Un diplôme peut-être, un visa, une étude que tu dois finir. Toutes ces choses-là, lorsque tu les analyses bien, tu vas retrouver en elles ce dont tu as réellement besoin. J'ai constaté que parfois, quand nous prions Dieu, bonjour, nous prions Dieu, nous demandons à Dieu ce qu'on veut. Mais j'ai remarqué que Dieu, il ne nous donne pas ce qu'on veut, mais il nous donne parfois ce dont nous avons réellement besoin. Je me rappelle, en 2003 ou 2002, j'étais en train de faire en sorte que le Seigneur me bénisse. J'ai prié et je suis allé donner une offrande. J'ai donné une offrande. Seigneur, bénis-moi. Bien aimé, j'ai déjà raconté cette histoire. Mais comme mon message va dans le même sens, je veux me permettre de prendre cet exemple pour que vous compreniez. Alors, je suis allé à l'église, le pasteur a dit de faire offrande. J'ai pris mon offrande, j'ai prié dessus, j'ai intercédé pour que Dieu m'ouvre les portes sur les États-Unis. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le Seigneur a agréé mon offrande, mais il ne m'a pas ouvert des portes sur les États-Unis. Au moment où j'avais fait l'offrande, il s'est trouvé qu'il y avait un programme de mort qui avait été fait contre moi. C'est-à-dire que j'étais en danger de mort. J'étais en danger de mort. Ce qui sous-entend que même si Dieu m'agréait le voyage n'allait me servir à rien puisque j'étais en danger de mort. Chaque nuit, on me poursuivait. Chaque nuit, on me lançait des flèches. Chaque nuit, on me bombardait. Mais moi, tout ce qui m'importait, Seigneur, ouvre-moi les portes du voyage. Ouvre-moi les portes. Ouvre-moi les portes. Ouvre-moi les portes.
Et maintenant, comme beaucoup d'entre nous ont l'habitude de faire, comme la prière n'avait pas été agréée, au lieu de rendre gloire à Dieu, j'ai commencé à me plaindre. Seigneur, pourquoi tu m'as abandonné? Seigneur, pourquoi tu m'as oublié? Bon, ben là, j'ai commencé à pleurer comme les gens qui d'habitude pleurent. On dirait qu'ils sont en train de aller dans un funérailles chinois. Là. C'est là que j'ai fait un rêve. Dans mon rêve, comme je vous l'ai déjà expliqué, je marchais dans une rue. Lorsque le ciel s'est ouvert, j'ai entendu la voix de l'ange de Dieu qui m'a appelé à 3 reprises. Éloge, éloge, éloge à 3 reprises. Et l'ange a dit, rends gloire à ton Dieu. Bien-aimé, je me suis réveillé. J'étais content. Mais je n'avais pas compris que même si le Seigneur n'avait pas agréé ma prière qui consistait à ouvrir les portes de voyage, il a d'abord agréé ce qui était plus important. Il y a des gens qui sont comme ça. Ils ont fait des offrandes à Dieu. Ils ont donné des dîmes à Dieu. Ils ont donné des trucs à Dieu. Mais eux, ils ne vont même pas se rendre compte que Dieu, il t'a donné la santé. Parce que c'est ce qu'il y a de plus important. Dieu t'a donné la vie. Tu ne sais même pas de combien de morts il t'a sauvé. Tu ne sais même pas de combien d'envoûtements il t'a sauvé. Tu ne sais même pas combien de fois tu devrais être dans des endroits où peut-être que, selon le plan de la sorcellerie, on devrait te violer, on devrait te découper, on devrait te tuer, tu devrais mourir. Le Seigneur a agréé d'une manière ou d'une autre ton offrande. Et toi, parce que madame a fait une offrande à Dieu, parce que monsieur a donné une dîme, parce que tu as payé quelque chose à Dieu, voilà maintenant, monsieur ou madame commence à blâmer, se plaindre et autres. Mais au fond, tu ne sais pas que le Seigneur t'a fait grâce. Peut-être qu'ils avaient formé une arme spirituelle qui devrait te détruire. Peut-être que tu aurais pu mourir depuis des années. Peut-être que même les sorciers, ils ont déjà fait le plan. C'est-à-dire, ils ont tout calculé et puis se sont dit que ça là, elle ne va pas échouer. Elle ne va pas échapper à ça. Mais à leur grande surprise, tu n'es pas allé où ils t'attendaient. Parce que le Seigneur, d'une manière ou d'une autre, a agréé ton offrande. Bien-aimé, vous priez, je prie. Donc, si on veut conjuguer le verbe, c'est le verbe « nous prions ». Et le verbe « prier ». Donc, quand on arrive là, nous tous, nous prions. Voilà, tu pries, je prie, on prie. Mais tu dois comprendre une chose. Ce n'est pas toi qui vas décider la bénédiction. Tu demandes, mais en son temps, Dieu te répond. Tu peux s'aimer, tu peux faire une offrande, tu peux faire tout ce que tu veux, mais Dieu, étant un Dieu d'amour, qui voit dans l'invisible, la Bible déclare qu'il voit même une fourmi noire dans l'obscurité noire. Il va regarder ta demande. Il va regarder ce que tu veux. Il va regarder tout. Mais s'il sent qu'il y a une urgence, Dieu va d'abord s'occuper de l'urgence. Il va d'abord s'occuper de l'urgence. Donc, ce que je vais dire aux enfants de Dieu, c'est de cesser de se plaindre quand leurs prières ne sont pas encore exaucées. Parce que, tandis que tu crois que peut-être que Dieu ne veut pas t'exaucer, peut-être que c'est parce que tu as fait ci, peut-être que c'est parce que tu as fait ça, mais peut-être que Dieu t'a déjà même exaucé. Peut-être même qu'il t'a sauvé de la mort. Peut-être qu'il t'a donné la santé. Peut-être qu'il t'a enlevé une maladie. Pendant la nuit, il t'a retiré une maladie. Peu importe ce qui t'arrive, rends gloire à Dieu. Rends gloire à Dieu et décide exactement ce que tu veux. Les enfants de Dieu savent trop se plaindre. Les enfants de Dieu savent trop parler. Les enfants de Dieu savent faire n'importe quoi. Mais le plus important, là, ils oublient qu'ils ont la santé. Ta santé, tu n'as même pas payé. Ton bonheur, tu n'as même pas payé. Le souffle de vie, tu n'as même pas payé. Il y a des gens, on doit leur mettre de l'oxygène. Il y a des gens, on doit leur changer le sang tous les jours. Il y a des gens, on doit leur donner des prothèses. Ils doivent changer je ne sais quoi. Et toi, au lieu d'être reconnaissant, tu juges bon de te plaindre, de te lamenter,
de pleurnicher, comme si, à part ce que tu cherches là, il n'y a plus rien dans la vie. Bien-aimé, la vie est mieux que ça. Dans la vie, il y a des choses même plus mieux que le matériel que nous cherchons. Dans la vie, il y a des choses plus mieux que les choses, l'argent que nous cherchons. Parce que parfois, tu peux avoir de l'argent, mais ne pas avoir le bonheur. Tu peux même te marier, mais ne jamais être heureux. Tu peux avoir le travail, mais ne jamais être comblé. Tu peux avoir tout ce que tu veux au monde. Mais tant que tu n'as pas la paix du cœur et l'assurance de ton salut, tu es perdu d'avance. Tant que tu n'as pas la paix du cœur que seul, tu n'as pas la paix du cœur que seul Dieu peut te donner. En toutes circonstances, tu vas faire des erreurs. En tout, bien-aimé, des fois tu es là, l'argent ne te dit rien. Bien-aimé, des fois tu as l'argent et puis tu pleures. Tu pleures parce que quelqu'un a brisé ton cœur. Tu as tout l'argent, mais tu pleures parce qu'aucun homme ne veut de toi. Tu as tout l'argent. Tu pleures parce que la femme que tu as te crée des problèmes. Tu as tout l'argent, mais tu es malheureux. Tu peux avoir le plus gros palais du monde, mais tu dors seul, toi seul. Et tu dors dedans, toi seul. Et tu es malheureux. Tu as les plus beaux vêtements, mais tu n'as personne pour te dire que tu es belle. Tu es une belle femme, tu as la beauté, mais tu n'as rien à part ça. Tu es un bel homme. Tu es un bel homme. Tu as un bon emploi, mais à part ça, à la maison, c'est la misère. À la maison, c'est la galère. À la maison, c'est les querelles, les disputes, le malheur, les disputes. Toujours des problèmes qui t'arrivent. Toujours, tu es stressé. Toujours, tu dois surveiller ta vie. Tu peux avoir la plus grosse maison, tes charges, c'est... Mais quand tu as l'assurance que donne la parole de Dieu, quand tu as la paix du cœur, avec ton argent, rien ne te, trouble. Rien ne te dérange. Donc, vous voyez que la première des choses qu'on doit chercher, c'est pas le matériel. Parce que le matériel sans intelligence est égal à je n'ai rien. Parce que ton argent sans intelligence, c'est égal à demain tu deviendras pauvre. Parce que le mariage sans la paix du cœur, c'est égal au divorce. Parce que le travail sans la protection divine, c'est... Donc, il faut comprendre une chose. Il y a des choses plus importantes dans la vie qui valent mieux d'être protégées. Il y a des choses très importantes dans la vie qui valent mieux d'être célébré. Et si chaque jour, tu louais Dieu pour ta santé, il serait très heureux de voir ta reconnaissance, que tu lui témoignes, et il te bénira. Bien aimé, un jour ou l'autre, nous quitterons cette terre des vivants, et après l'avoir quittée, on oubliera le matériel. Mais au moins, le Seigneur verra qu'on a été reconnaissant du fait qu'au moins, il nous a donné la vie, bien aimé. Je n'étais pas un gars qui avait de l'argent, mais je louais Dieu. Je n'avais même pas de quoi attacher mon pantalon, comme vous connaissez mon histoire. Mais je louais Dieu. Je n'avais même pas de quoi manger, mais c'est moi qui allais prier pour les gens. Bien aimé, j'étais dans des situations difficiles qui pouvaient me pousser à aller chercher un pasteur pour prier pour moi. Mais jamais je suis allé me dire cela, non. J'étais au pied de Dieu moi-même chaque jour. Je me rappelle que la nuit que le Seigneur m'a inspiré le livre « Comment prophétiser pour attirer votre potentiel ?» Cette nuit-là, j'avais pleuré. J'avais pleuré devant Dieu. J'ai pleuré devant Dieu. Parce que j'avais de la famille. Je n'avais personne. Une grande famille. Mais j'étais plus pauvre que quelqu'un qui était né seul au monde. Parce que nous sommes dans un monde où chacun cherche son intérêt. La femme même dans le mariage, elle cherche ses intérêts. Le mari dans le mariage, il cherche ses intérêts. Mais après tout ça là, si on a que
que des intérêts, une vie d'intérêt, une vie où on pense à soi-même. À part ça, on n'est plus rien si on n'a pas Dieu. Parce que les intérêts, tôt ou tard, ça prend fin. Si la vie est basée sur des intérêts, il n'y a pas d'amour. Si notre relation avec Dieu est basée sur ce qu'il peut me donner, il n'y a pas d'amour pour Dieu. Ça, il faut le reconnaître. Tu n'as pas d'amour pour Dieu. Si ta relation pour Dieu aujourd'hui, c'est sur le mariage, tu n'aimes pas Dieu, tu aimes le mariage. Ça, je te le dis. On ne vient pas à Dieu parce que Dieu peut nous donner le mariage. On ne vient pas à Dieu parce que Dieu peut nous donner l'argent. On ne vient pas à Dieu parce que Dieu peut nous donner ce que nous voulons. Mais on vient à Dieu parce que c'est notre Père créateur. On vient à Dieu parce que c'est le maître des maîtres. On vient à Dieu parce qu'il n'y a personne comme lui qui puisse nous sauver. On vient à Dieu parce qu'il est notre créateur, parce qu'il est notre sauveur, parce qu'il est le plus grand des dieux, celui qui nous a donné la vie. Il est notre source de vie. Et c'est en faisant des dieux tes délices que Dieu te donne tout. Bien-aimé, j'ai poursuivi les gens pour avoir tout ce que je veux. Je n'ai jamais rien eu. La reconnaissance des hommes, je n'ai jamais eu. L'amour des hommes, je n'ai jamais eu. Tous les amours dont nous parlons sont des amours égoïstes, basés sur ce que je peux tirer de lui. Et non ce que je peux te donner. Vous le savez tous autant que moi. Vous aviez été déçus par des hommes. Vous aviez été déçus par des femmes qui prétendaient vous aimer, mais qui, lorsque ils n'obtenaient pas ce qu'ils voulaient, vous ont abandonné comme si vous n'aviez jamais compté pour eux. Vous le savez tous autant que moi. Vous le savez tous autant que moi. L'amour de l'homme n'est basé que sur le matériel. L'amour de l'homme n'est basé que sur les intérêts. L'amour de l'homme n'est basé que sur ce que je peux avoir de lui, sur ce qu'il peut m'apporter, sur le bonheur qu'il peut m'apporter, sur la joie qu'il peut m'apporter, le réconfort, la joie, la paix, la sécurité. Tous cherchent leur sécurité. Tout le reste n'est que mensonge. Il n'y a que les vrais enfants de Dieu qui peuvent aimer du fond de leur cœur. Pas un amour basé sur ce que je peux avoir de toi, mais un amour basé sur ce que je peux t'apporter pour que toi aussi tu deviennes quelqu'un. Le véritable amour consiste à chercher le bien d'autrui et non l'intérêt de soi. Le véritable amour consiste à chercher le bien d'autrui et non l'intérêt de soi. Voici pourquoi Dieu a tant aimé, la Bible déclare, il a tant aimé le monde. Regardez, il a tant aimé, il a tant quoi? Il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait, il ait la vie éternelle. Dieu a aimé. Aimer, c'est avoir de l'amour. Il a aimé le monde et il a donné son Fils unique pour que le monde soit sauvé. Dieu voulait voir si Abraham l'aimait. Et il a mis Abraham à l'épreuve. Et l'ange a dit, Abraham, maintenant, Dieu a dit à Abraham, je vois maintenant que tu m'aimes. Dieu voulait prouver à Abraham. Dieu voulait que Abraham lui prouve son amour. Il a dit à Abraham, je vois maintenant que tu m'aimes. Et parce que tu ne m'as pas refusé, les gens qui prétendent t'aimer, qui t'abandonnent parce que tu ne leur donnes pas d'argent. Des gens qui prétendent t'aimer, qui t'abandonnent parce que tu ne leur apportes pas ce qu'ils veulent. Des gens qui prétendent t'aimer, mais qui se préfèrent eux-mêmes. Des gens qui prétendent t'aimer, mais regardez aujourd'hui, des amours, des relations, des amitiés, que d'intérêt. Un amour où on va chez le pasteur parce qu'on a besoin de prière. On t'appelle que quand on a besoin de toi. On ne vient chez toi que... Ça, ce n'est pas de l'amour. C'est de l'exploitation. Et si nous venons dans la maison de Dieu avec une mentalité des gens qui viennent pour exploiter, pour profiter, Dieu ne nous exaucera jamais. Voici ce qui fait que beaucoup de gens ne sont pas bénis dans les églises. Ils ne se sont pas encore sacrifiés pour Dieu. Ils n'ont pas encore sacrifié leurs péchés pour Dieu. Ils n'ont pas encore sacrifié leurs erreurs pour Dieu. Ils n'ont pas encore sacrifié beaucoup de choses pour Dieu. Ils n'ont pas le sens du sacrifice. La Bible déclare qu'il y a plus d'amour qu'à donner qu'à recevoir. Plus de bonheur, en fait, en d'autres termes, à donner qu'à recevoir.
Quel est ton signe pour l'amour de Dieu? Le premier signe d'un amour, c'est le sacrifice. Le premier signe de l'amour de Dieu, c'est le sacrifice. Il y en a, tu peux même pas leur dire aide l'œuvre de Dieu. Il y en a, tu peux même pas leur dire aide les pauvres. Il y en a, tu peux même pas leur dire évangélise. Il y en a, tu peux même pas leur dire de contribuer à l'évangélisation. Ils prétendent aimer les gens, mais leur vie chrétienne est focalisée, centralisée sur eux seuls. Eux seuls. Eux seuls. Ils se réveillent matin, midi, soir. Eux seuls. Seigneur, mon mariage, mais Dieu n'a que faire de ton mariage. Je suis désolé d'être aussi véridique. Dieu n'a que faire de ton mariage. Améliore ta relation avec Dieu. Fais de l'Éternel tes délices. Décide réellement ce que tu veux et tu verras que Dieu te bénira, bien-aimé. Depuis que j'ai décidé de faire des autres la priorité, je n'ai jamais manqué d'argent. Je n'ai jamais manqué d'argent. Parce que quand je commence à faire des autres la priorité, le Seigneur permet aussi que d'autres me favorisent. Quand je donne un peu, Dieu me bénit. Alors, où est ton signe de l'amour de Dieu que tu prétends avoir? Quand le monde ne tourne qu'autour de toi, toi, c'est toi qu'on doit aimer, c'est toi qu'on doit aider, c'est toi qu'on doit bénir, c'est toi qu'on doit ceci, c'est toi qu'on doit cela. Tu es dans le foyer, c'est à toi seul que ton mari doit donner, à toi seul que ton mari doit donner. Mais toi, tu donnes quoi à l'homme? Chacun doit contribuer. Chacun doit démontrer l'amour, le véritable amour. Ne cherche pas son intérêt. Le véritable amour ne cherche pas son intérêt. Donc, si votre vie de chaque jour, Seigneur, mon mariage, Seigneur, mon ceci, Seigneur, mon cela, Seigneur, mon ceci, c'est que vous n'êtes pas encore de vrais chrétiens. Vous n'êtes pas encore de vrais chrétiens. Un véritable chrétien. Dieu l'a béni. Dieu ne l'a pas béni. Il s'en fout. Il s'en fout. Regardez, un ami qui vous aime réellement, il vous bénit tous les jours. Vous n'avez pas eu quelque chose pour lui dire merci. Il s'en fout. Il ne le fait pas plaisir. Bien aimé, lorsque Warren Brown m'aidait, ce monsieur m'aidait. Et il s'en foutait. Il trouvait tellement de plaisir à aider. Tellement de plaisir à aider le monde. Tellement de plaisir à donner. Tellement de plaisir. Non. Chrétien, il faut que tu décides ce que tu veux réellement. Il faut aussi que tu décides ce que tu es réellement. Parce que notre vie chrétienne est vraiment une grosse réflexion chaque jour. Vous ne pouvez pas vous poser la question de savoir, mais comment se fait-il qu'il y a des chrétiens qui demandent et qui ne reçoivent pas, qui ne reçoivent pas? Ne vous êtes-vous jamais posé la question? Mais c'est parce que vous n'avez pas encore fait de Dieu vos délices. La Bible déclare que si tu fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Maintenant, si tu es là et puis tu n'as pas ce que ton cœur désire, ça dépend de ta relation avec Dieu. Ça là, il faut que je sois honnête de vous le dire. À l'époque, quand le Seigneur m'appelait pour le servir, quand le Seigneur m'appelait pour me sacrifier pour lui, quand le Seigneur m'appelait pour prendre mon temps pour lui, est-ce que je l'ai écouté? Je ne l'écoutais pas. Seigneur, mon voyage aux États-Unis. Seigneur, mon voyage aux États-Unis. Mais le Seigneur m'appelait pour sauver des vies. Il m'a préparé pour ça. Il m'a envoyé sur terre pour ça. Il m'a donné des dons pour ça. Il m'a amené me préparer dans le combat pour ça. Et lorsque le moment fut venu pour que je puisse maintenant mettre ma connaissance au profit des autres, quand Dieu m'a appelé, j'ai dit non! Je savais ce que Dieu voulait me dire. Je savais ce qu'il me révélait. Depuis 2002-2003, je savais que j'allais prêcher un jour. Mais là, maintenant, je ne voulais pas ce que Dieu me demandait de faire, mais je voulais qu'il me bénisse parce qu'il est amour. Il est amour. Il faut rester là. Il est amour. Il aime les gens qui sont obéissants. Il aime les gens qui se soumettent à sa volonté. Il aime les gens qui disent oui sans discuter. Dieu aime les gens, quand il t'appelle, tu ne résistes pas. On passe toute notre vie à lutter, à raisonner, à traîner. Maintenant, quand on a tout foutu en l'air, là maintenant, on vient pour que Dieu nous accorde la miséricorde. Mais pendant que tu es en train de t'entêter, qu'est-ce que tu fais? Tu cèdes la place à l'ennemi. Dans la vie, ma sœur, il y a des opportunités qu'il ne faut pas se permettre de rater.
Dans la vie, il y a des erreurs qu'il ne faut pas se permettre de faire. Dans la vie, il y a des choses qu'il ne faut jamais se permettre de manquer. Parce que quand tu manques ces choses, elles t'affectent pendant très longtemps. Quand tu manques ces choses, elles détruisent ta destinée. Il y a des erreurs qui peuvent te coûter ta destinée. Il y a des erreurs qui peuvent te coûter ta santé. Il y a des erreurs qui peuvent te coûter ton travail, ta fortune, ton argent, ton mariage. Tu peux manquer le chemin de ta vie et te perdre pour toujours. Beaucoup ont résisté et on peut dire qu'ils ont manqué le chemin de leur vie. Ils sont loin de la volonté de Dieu. Il faut que Dieu, dans son amour, les prenne pour dire, passe ici. Voici ce que j'ai prévu pour toi. Vous savez, voici 2019 qui arrive. 2019 arrive, mon frère. 2019 arrive, ma sœur. Tu t'es toujours posé la question de savoir ce que tu veux dans la vie. Ça veut dire qu'à ton âge là, ou là même là où tu as barbe blanche, mon frère, ma sœur, ou là tu commences à avoir cheveux blancs partout là, à ton âge, c'est là que tu es en train de demander à Dieu, qu'est-ce que tu vas faire dans la vie? C'est là que maintenant tu commences à demander à Dieu ce qu'il doit faire pour toi. C'est là que tu commences maintenant à demander à Dieu, ton mari se trouve où? C'est là que, après avoir fait tous tes shows là, après tes amusements, après ton volet là, c'est maintenant que tu poses question, cette question là à Dieu. Non, il y a quelque chose, il y a quelque chose qui ne va pas avec toi. Bien-aimé, c'est une question qu'on aurait dû se poser depuis longtemps. C'est la vérité. C'est la vérité. C'est une question qu'on aurait pu se poser depuis longtemps. Ça nous aurait évité la souffrance. Ça nous aurait évité la galère. Toutes ces humiliations. Cette perte de temps. Je vous assure. Vous voyez que parfois là, on déconne. Sincèrement, on déconne. Il y a des gens qui font comme s'ils ont toute la vie. C'est la vérité que je vous dis. Il y a des gens qui font comme s'ils vont vivre sur cette terre-là pour toujours. C'est ici, ils vont passer leur paradis. Qui a dit? Bien aimé, tu es là avec ton cousin. Bon matin, on dit, il allait dormir, il ne s'est pas réveillé. Qui sait ce qui t'attend demain? Qui sait ce qui m'attend demain? Personne ne sait. Hein? Donc vraiment, vraiment, il y a des gens, je pense qu'il faut leur tirer les oreilles à des pinces. Parce que ils sont trop têtus. Pince même ces petits. Il y a des gens, mais il faut leur tirer des oreilles avec des aiguilles. Comme ça, ils vont pas vite oublier. Parce que bien aimé, quand il y a des douleurs, quand tu oublies vite là, tu retombes dedans encore. C'est la vérité. Frères et sœurs, regardez notre âge. Et puis, on se comporte encore comme des gens qui viennent de se convertir hier. Mais c'est grave. C'est plus qu'une catastrophe nationale. Regardez notre âge à l'église. Regardez-nous, hein. Regardez-nous. Et puis, des vieux papas, Qui ont passé toute leur vie à l'église aussi, ont encore besoin qu'on les materne. Pasteur, j'ai besoin de prière. Attends, quand tu dis ça là, c'est bon, ça sonne bien. Mais regarde-toi toi-même. Quand tu dis, ah pasteur, c'est bien. C'est un constat que tu as passé vraiment beaucoup de temps à l'église, mais tu ne connais pas Dieu. Ça fait mal, hein, quand Eloge le dit là. Ça choque. C'est un vrai constat. Je te mets là pour te dire que tu as passé beaucoup de temps à l'église. Mais tu n'étais pas sérieux. Mon frère, ma soeur, si on passe le temps à l'église et qu'on est sérieux, mais on apprend à prier, on connaît Dieu, et il y a des choses, il y a des enfants de Dieu qui, actuellement où ils sont là,
Ils n'ont même pas besoin que tu leur dises qu'ils ont besoin de prière. Même mouche, même si c'est un insecte qui passe au nom de Jésus, Rikapata, ils t'ont lié fini. Ils t'ont lié fini. Ils vont te lier, ça va t'étonner. Ils vont te lier, ça va t'étonner. Alors, donc, ce que je tente de vous faire comprendre, il faut qu'aujourd'hui, on décide ce qu'on veut réellement. Dieu exauce toutes les prières qui sont faites avec sincérité. Ça là, il n'y a pas quelqu'un qui va vous dire le contraire. Dieu exauce toutes les prières qui sont faites avec sincérité. Maintenant, jusqu'à quand on ne doit pas comprendre qu'il est temps de cesser d'être des enfants spirituels pour devenir des guerriers spirituels. Cessons d'être des enfants spirituels maintenant et devenons des guerriers spirituels. Beaucoup sont toujours des enfants spirituels, des bébés spirituels, des fœtus spirituels. Ils ne feront aucun effort. C'est quand même écœurant de voir que Dieu vous a donné autant de puissance dans votre bouche. Dieu vous a donné autant d'onction dans votre vie. Dieu vous a donné autant d'autorité. Et il a même fait un effort pour vous créer à son image. Mais aujourd'hui, vous êtes malmenés par les circonstances de la vie, comme des gens qui n'ont reçu aucune autorité. N'est-ce pas dommage? N'est-ce pas triste? Et même décevant de voir le roi devenir un esclave et le prince traîner comme si rien n'était. Alors que vous dites que vous êtes appelés de Dieu. Nous disons, nous sommes choisis de Dieu. Mais choisis de Dieu pour faire quoi? Pour souffrir? Pour traîner dans la galère? Non! Revoyons notre relation avec Dieu. Avant où je priais Dieu pour dire, Seigneur, ouvre-moi les portes du voyage. Dieu ne m'a jamais ouvert de porte de voyage. Mais lorsque j'ai dit à Dieu, ouvre-moi les portes de voyage et amène-moi te servir. Il a ouvert les portes. Regardez une chose dans la Bible. Il n'y a que ceux qui demandent de quoi contribuer à l'évolution de l'œuvre de Dieu que Dieu bénit. Je vais vous donner des détails. Il n'y a que ceux qui demandent dans l'intention d'utiliser leur bénédiction pour servir les autres que Dieu exauce. Salomon a demandé à Dieu, donne-moi la sagesse pour juger ton peuple. Donne-moi quoi? La sagesse pour juger ton peuple. Mais bien aimé, Dieu a exaucé sa prière. Il a non seulement donné la sagesse à Salomon, mais il l'a béni, vachement béni. Donc Salomon a été malin. Et Anne aussi. Regardez, Anne a dit, donne-moi un enfant et je le mettrai à ton service. Et quand Dieu a dit, quand Dieu a vu ça, Dieu a exaucé Anne. Alors toi, tu es là, toutes tes églises, pasteur, mon mariage, tous les jours, matin, midi, soir, c'est pour pleurer devant Dieu pour mariage. Voici pourquoi il ne t'exauce pas. Je suis désolé de te le dire. Change ta prière. Change ta prière. Dieu aime les gens qui donnent. Dieu aime les gens qui se soucient des autres. Dieu aime les gens qui cherchent le bien. La Bible déclare que celui qui cherche le bien s'attire la faveur. L'homme bienveillant sera rassasié. Et regardez dans le livre de Psaume 43. L'Éternel est près du malade. Qu'est-ce que le Psaume 43? Heureux celui qui s'intéresse aux pauvres. Au jour du malheur, l'Éternel en délivre. Pourquoi c'est lui seulement que Dieu délivre? Heureux celui qui s'intéresse aux pauvres. Au jour du malheur, l'Éternel en délivre. L'Éternel le soutient sur son lit de douleur et ne le livre pas au bon plaisir de ses ennemis. Heureux celui qui s'intéresse aux pauvres. Lorsque j'avais été convoqué dans le monde des ténèbres par quelqu'un qui voulait qu'on me condamne, lorsque j'avais été condamné par quelqu'un rempli de jalousie, aigreur, contre moi et l'auge, lorsque j'avais été convoqué, le Seigneur a envoyé un ange. Je me souviens encore de ça jusqu'à aujourd'hui. Il a envoyé un ange.
Et pendant que la personne qui voulait qu'on me convoque, qu'on me condamne, avait dit que c'est parce que j'étais intelligent, c'est parce que Dieu m'avait accordé la grâce, des bénédictions qu'elle, elle n'a pas, et que c'est pour cela qu'elle voulait qu'on me condamne. Immédiatement, le ciel a dépêché un ange. C'est pas on qui vous dit. Je me souviens encore de la scène comme si c'était hier. Dans mon sommeil, Dieu m'avait montré qu'on t'avait convoqué. Mais j'ai envoyé un ange te sauver. Lorsque l'ange est venu, l'ange a commencé à citer tous les biens que j'ai fait pour les gens. Éloge, il est gentil. Éloge, il a fait ça. Éloge, il a fait ci. Éloge, il a fait ça. Et il a terminé en disant, à cause de ça, on ne peut pas condamner Éloge. J'étais tout étonné de ce que quelqu'un du même sang que moi voulait qu'on me condamne. Parce que j'étais intelligent. Parce que j'avais des grâces. Parce que Dieu avait prévu des choses qui allaient arriver que cette personne n'avait pas. Beaucoup ont été condamnés gratuitement et Dieu n'a pas intervenu parce qu'ils n'ont pas donné à Dieu l'opportunité d'intervenir. Beaucoup sont bloqués et Dieu n'a pas intervenu. Vous savez pourquoi? Parce que dans la vie, c'est eux seuls. Si ce n'est pas leur mariage, c'est rien d'autre. Si ce n'est pas leur travail, c'est rien d'autre. S'ils n'ouvrent pas la bouche pour dire à Dieu de les bénir, ils n'ouvriront jamais la bouche pour intercéder pour quelqu'un. Tout tourne autour d'eux. Tout tourne autour d'eux. Supposons que tout tournait autour de chacun dans la vie. Qui allait vous donner quoi? Vous comprenez que le combat est grand. La bataille est grande. Nous devons maintenant dire à Dieu, bénis-nous pour bénir les autres. Il y a tellement d'orphelins dans ce monde. Il y a tellement de pauvres dans ce monde. Il y a tellement de veuves dans ce monde. Il y a tellement de personnes qui sont malades et autres dans ce monde que si nous ne cessons pas de faire de l'église un lieu où on parle seulement de bénédiction, mais pas d'assistance sociale, pas de soutien et autres. Notre relation avec Dieu est basée sur quoi? Le monde est malade. On est là, on ne cherche que bénédiction. Le monde est malade, des enfants sans père, des pauvres, des handicapés. Il n'y a même pas un chrétien qui va aller dans les églises pour dire « je vais intercéder pour les malades ». Dans ta famille, les gens ne sont même pas convertis. Les gens ne connaissent pas Dieu. Satan est en train de régner. Et là, vous êtes là, toujours en train de vous faire des illusions. Bien-aimé, vous ne voyez pas que l'ennemi nous manipule. Vous ne voyez pas que le diable est en train de gagner du terrain. Et là, vous êtes assis. Oui, Jésus va revenir. Oui, mais Jésus revient pour trouver qui? En attendant que Jésus revienne, c'est vous qui l'a choisi. C'est nous qui l'a choisi. Les agents du diable ne se cachent même plus. Le monde des ténèbres avance. Et nous, on est assis, excusez-moi du terme, d'être bons chrétiens, de bons paresseux, parce que dans notre tête, Dieu va descendre. Dieu va descendre. Il va descendre. On est en train d'être écrasé chaque jour là, il va descendre. Mais donne-lui une raison de descendre. Donne-lui une raison d'agir en ta faveur. L'ennemi est en train de détruire ta vie. Tu es en train de mourir à petit feu. Ta vie est bloquée depuis 10 ans. Ne comprends-tu pas que tu dois décider exactement ce que tu veux et combattre jusqu'à l'avoir? Quel est cet évangile-là qui vous dit que Dieu va faire qu'il faut attendre sans se battre? Quel est cet évangile-là qui te dit ça? Analysez la Bible, vous allez voir. Tous ceux qui voulaient leur délivrance se sont battus pour l'avoir. Ils ont commencé le combat et ils n'ont arrêté que lorsqu'ils ont eu leur délivrance. Si je me trompe, dites-moi. Alors, au fil des ans, les gens ont modifié la chose. Attends seulement, Dieu va faire. Tu es en train de vieillir. Attends seulement, Dieu va faire. Tu es en train de mourir à petit feu. Attends seulement, Dieu va faire. Tu ne te rends pas compte que tes petites prières là, rien ne bouge comme il faut. Même si tu penses que Éloge crie trop, c'est une pure vérité. Analyse tes prières. Qu'est-ce qui a bougé? Toute ta vie est une bataille. Il n'y a jamais rien que tu vas commencer sans te battre, frère. Sœur, prends conscience du fait que maintenant, tu as assez joué avec ta vie chrétienne. Tu as assez joué avec ta vie chrétienne. Tu as assez joué avec ta relation avec Dieu. Tu ne vas pas seulement aller devant Dieu. Seigneur, mon mariage et la louange, l'adoration, les sacrifices d'action de grâce sont où? Rien. Et puis après, les gens sont étonnés que leurs frères sont bénis, d'autres ne sont pas bénis. Mais c'est normal si tu es dans l'église et puis tu es le plus avare des avares.
Si tu es dans la vie et puis tout autour de toi, c'est sûr que tu ne seras jamais béni. Dieu n'aime pas les égoïstes. Dieu n'aime pas les avares. La Bible déclare quoi? Celui qui retient le blé est maudit du peuple. Donc si tu peux intercéder, intercède pour les gens. Si tu peux soutenir, soutiens pour les gens. Tu n'as pas besoin d'avoir des millions, bien-aimés. Lorsque j'étais en Afrique, parfois, mes vêtements qui me restaient, je donnais tous mes vêtements et je n'avais presque rien. Les gens croiraient que j'étais devenu fou. Non. Non. Les chaussures, tout, j'ai donné. Parce que je savais que si je voulais que Dieu me bénisse, il fallait prouver que j'allais être quelqu'un qui donne. Il y a des gens qui sont là qui attendent que Dieu les bénisse avant de donner. Bon, d'accord, reste là. Reste là. Il arrive. Reste là. C'est la vérité que je vous dis. Nous pouvons tous changer de vie. Il suffit seulement de dire, Seigneur, je suis chrétien, ça fait des années. Je suis chrétienne, ça fait des années. Mais le niveau de vie que je mène là, c'est un niveau vraiment médiocre. Parce que je n'ai pas besoin de le dire moi-même. Analyse toi-même et regarde. Analyse toi-même et regarde. Il y a des gens qui font semblant comme si tout va bien. Tu es sûr que tout va bien? Excuse-moi mon frère, ma soeur qui me suit. Est-ce que vous êtes sûr que tout va bien? Parfois on fait semblant. Je ne sais pas, on veut impressionner qui? Tu as une réalité. Tu as une réalité. Il ne s'agit pas de chercher à impressionner quelqu'un. Tu as une réalité à laquelle tu fais face actuellement même. Je n'ai même pas besoin de te le dire. Hormis les apparences, tu as une réalité actuellement. Réfléchis, analyse, calcule, recalcule. Tu es face à une réalité que toi seul tu connais en ce moment. Il ne s'agit pas de chercher à impressionner les gens. Tu as une réalité que seul le Seigneur puisse t'aider à régler. Tu as une bataille que seul Jésus-Christ de Nazareth peut t'aider à gagner. Tu as un défi que seule la prière, la concentration. Bien aimé, face à l'adversité, on ne divise pas ses forces. Est-ce que vous savez que parfois, quand les gens sont venus me combattre, mais ils sont venus en groupe, un jour, j'avais fait l'un de mes plus grands programmes au centre-ville de Montréal. Ce jour-là, la prière était si intense, l'onction était telle que... Mais quand je suis revenu, en rêve, je ne sais même pas si il y a dit 500 hommes, tous en colère, qui lançaient des couteaux contre moi, je courais. Et le Seigneur m'a soulevé, c'est comme si j'étais dans l'air, il y a un qui m'a piqué avec son couteau, j'ai enlevé, j'ai arraché. Ils m'ont bombardé, ils étaient en colère. Ils étaient venus nombreux, très nombreux. La Bible dit, une grande porte d'un accès efficace m'est ouverte, mais les adversaires sont nombreux. Beaucoup, parce qu'ils ne voient pas d'un œil physique, pensent que la vie est facile. Bien-aimé, les adversaires sont trop, tu ne te rends pas compte. C'est quand ta vie va commencer à progresser que tu vas voir que tes adversaires sont trop. Actuellement, tu crois que ta vie est cool, hein? Parce que tu as juste de quoi manger. Excuse-moi. Est-ce que ta vie va se limiter à juste de quoi manger? Est-ce que ta vie va se limiter à juste je respire? Est-ce que ta vie va se limiter à juste tu es marié? Est-ce que tu as le bonheur que tu veux? Bien-aimé, est-ce que tu as la joie que tu veux? Tu as des choses qui sont suspendues. Tu as des projets qui n'avancent pas. Tu as des affaires qui ne bougent pas. Depuis là, tu as comme l'impression que tu es en stand-by. C'est comme si tu as pris vacances, tu es en pause. L'argent, on dirait l'argent a pris vacances. Mariage a pris vacances. Chance, rien. Rien ne bouge. Comme tu veux. Là, il n'y a pas d'excuse. Bien aimé, cette année-là, moi je prêche ce que Dieu me met à cœur. J'annonce ce que nous devons faire pour avancer. Celui qui veut, il trouve des excuses. Celui ou celle qui veut, mon frère, tu fais ce que tu peux. Celui qui veut jouer sa vie, jouer sa vie. Vous voyez, 2019, on est à quelques mètres de 2019.
à quelques mètres de 2019. À quelques mètres de 2019. Le monde des ténèbres en activité. La sorcellerie. Le monde des sirènes. Les esprits des eaux. Le combat a commencé. Parce que ils savent que ceux qui ont raté leur année 2018 là, c'est en 2019 Dieu va leur donner une nouvelle chance. Donc, s'ils devraient accomplir quelque chose en février qu'ils ont manqué, peut-être que Dieu a transféré. Donc, l'ennemi veut faire en sorte que toutes tes années soient médiocres. Maintenant là, décide réellement ce que tu veux. Décide réellement de couper avec les amusements, avec les choses bien aimées. Il y a des erreurs qu'il ne faut pas se permettre de faire. Il y a des fautes qu'il ne faut pas se permettre de commettre. Il y a des choses. Hé, hey, salut ton grand frère impoli. Je suis en direct. Donc, comme je disais, désolé, pardonnez. Mais Dieu te pardonne, tu es en direct. Amen, il m'a déjà pardonné. C'est ma petite soeur du quartier. Elle ne me respecte pas. Alors, comme je disais, donc, il y a des erreurs, frères et sœurs, qu'on ne peut pas se permettre de faire. Il y a des chances qu'il ne faut pas se permettre de manquer. Honnêtement parlant, le jour que je devais rencontrer la personne que Dieu voulait utiliser pour me rendre, pour m'ouvrir les portes, il y a eu une véritable bataille. Frères et sœurs, il y a eu une bataille. Une bataille. Vous voyez pourquoi il y a trop de confusion, trop de divisions, trop de disputes et autres. Rien n'est facile. Le diable combat tout. Il combat tout. Il combat tout sans exception. Il combat tout sans exception. Voici pourquoi certaines personnes t'appellent et puis disent, homme de Dieu, rien ne va. Rien ne va. Rien ne va. Bien aimé, la vérité est bonne à dire. Rien ne va. Rien ne va. Et laisse-moi te dire, en tant que ton conseiller spirituel, si tu ne changes pas d'attitude, rien n'ira. Bien-aimé, je ne peux pas me comporter de la même façon et espérer un changement. Ça n'ira jamais. Rien ne va. Pour que tout aille, Éloge doit tout améliorer. Pour que les plaintes cessent, parce qu'il y a plein de personnes qui se plaignent d'Éloge, mais qui n'ont jamais le courage de venir lui dire en face. Mais d'une manière ou d'une autre, ça va m'affecter parce que vous connaissez la bouche des gens. Donc, je dois m'améliorer. Comme ça, personne n'aura quelque chose à dire pour aller détruire ma réputation. Ce que je tente de te faire comprendre, c'est quoi? Comment veux-tu que ça aille? Avec la même méthode de prière. Comment veux-tu que ça aille? Avec les mêmes amusements. Comment veux-tu que ça aille? Quand tu prends ta vie comme un jeu. Comment veux-tu que ça aille? Quand tu laisses les choses en espérant qu'elles vont se régler seules. En tout cas, ma soeur, ça, c'est ton choix. Mon frère, ça, c'est ton choix. Je le respecte énormément. J'espère tout simplement que tu prendras conscience du fait que tu dois décider ce que tu veux réellement. Tu t'amuses ou bien tu veux te réaliser. Tu t'amuses ou bien tu veux réussir ta vie chrétienne. Tu t'amuses ou tu veux vraiment ranger les choses. Parce que frères et sœurs, mine de rien, c'est la même histoire qui se répète chaque année. Hein? Analyse. Analyse mon frère, ma sœur. Mine de rien, c'est la même routine, le même cycle maléfique qui se répète. Tu crois que c'est un jeu, hein, cette affaire-là? Vous croyez que c'est un jeu? Vous croyez que c'est un jeu? Est-ce que vous savez que quand un sorcier s'engage à faire échouer quelqu'un,
la personne doit échouer ou lui-même le sorcier il doit mourir. Donc, quand le sorcier prend l'engagement de te combattre, de bloquer ton mariage, de bloquer tes affaires, et puis dans le monde des ténèbres, il a fait une alliance, il a pris un engagement, il a signé un pacte selon lequel ou selon lesquels il doit te maintenir dans cette situation et que le jour où tu réussis, lui doit mourir. Tu penses qu'ils sont là pour jouer? Mais comme nous les chrétiens, notre vie de chrétienté est jeu, ce sont les chrétiens de Facebook qui après Facebook n'ont même plus de vie de prière, chrétiens d'amusement, chrétiens de dimanche, ça c'est votre choix. Ou bien s'il y a des gens qui font ça, c'est leur choix. Mais quant à vous qui dites que Seigneur, mine de rien, je suis en train de vieillir sans rien réaliser. Seigneur, mine de rien, les dettes sont en train de me clouer. Seigneur, mine de rien, je n'arrive même pas à nourrir mes enfants. Seigneur, mine de rien, ma vie est si pauvre, même si pauvre, pauvre que je dépends toujours de l'aide du gouvernement. Vraiment, si tu penses que à l'allure où tu vas là, tu risques d'arriver très en retard au village de si je savais, si tu sais que la façon dont tu prends les choses là, d'une manière ou d'une autre, tu es trop distrait, tu es devenu trop négligent dans la prière. En fait, ce n'est pas ta faute. Le diable te donne un peu de paresse, un peu de distraction. Tu commences un peu, ça devient ta routine et puis une habitude. Après, tu ne peux plus briser. Si où tu es là, tu sens que si tu ne décides pas réellement ce que tu veux, si tu ne décides pas de dire non, trop c'est trop. Vous savez, est-ce que vous avez déjà vu des femmes bêter faire palabre? Elles jettent tout. Elle jette tout et puis son palabre là, c'est son palabre. Parce qu'elle ne veut pas de distraction. Voilà, si vous voulez vraiment bon combat spirituel là, demandez à nos mamans, nos sœurs bêtées. Elles vont vous montrer que là-bas, là, il y a palabre et puis il y a palabre. Qu'est-ce que j'ai tant de vous dire? Mon frère, ma sœur, mes frères et sœurs, en Christ, comment voulons-nous gagner cette bataille avec toutes ces plaisanteries là? Comment voulez-vous qu'on gagne notre bataille avec tous ces plaisantins qui vous entourent? Ces plaisantins, on n'a que des groupes d'amis de plaisantins, des groupes d'amis de distrailleurs remplis de... Comment voulez-vous qu'on arrive vite? Où on va? Dites-moi, comment voulez-vous arriver où vous allez? Comment voulez-vous que Dieu entende vos prières? Comment voulez-vous? Dites-moi, que voulez-vous exactement? Il faut que vous sortiez de ce labyrinthe satanique. Ce labyrinthe satanique. Bien-aimé, vous savez ce qu'on appelle les malédictions sous forme de labyrinthe. Tu cherches ton chemin, tu ne trouves jamais. Parfois même, tu as l'impression d'être sur la bonne voie. Mais ce sont des malédictions qui font ça. Des cycles maléfiques. Il y a des gens, le diable les a juste mis sur un petit vélo. Ils sont en train de pédaler, mais ils ne savent pas. Ils ne savent pas que c'est un petit vélo. Un petit vélo têtu. C'est la vérité. Parfois, il faut dire à Dieu, enlève-moi où je suis, mets-moi où tu veux que je sois. C'est la vérité. Il y a des gens qui sont sur un petit vélo. Faux, illusion. En train de poursuivre illusion. Je vous assure. Et s'il ne se réveille pas pour dire, mais c'est quelle affaire où je crois que je suis sur le plan de Dieu et je n'arrive pas. C'est quelle histoire où je crois que c'est Dieu qui m'a donné ça et je ne l'obtiens pas. Bien aimé, quand Dieu a dit, il fait. Mais quand tu es aussi sur un petit vélo et puis tu crois que c'est Dieu qui a dit, tu pédales, tu marches, tu n'arrives pas. Il faut comprendre que quand Dieu a dit, il fait. Mais quand on t'a dit que Dieu a dit, et puis tu ne vois pas, mais prends un temps de réflexion, prends un temps de méditation, prends un temps d'interrogation.
Va chercher Dieu comme Daniel a cherché Dieu. Va chercher la face de Dieu. Et ça là, tu n'as pas besoin d'aller consulter pasteur. Il y a des gens qui m'appellent de consulter, voir ce que Dieu dit. Moi, tu penses que j'ai le temps pour ça? Je ne suis pas ton marabout. C'est cette mentalité que les enfants de Dieu ont développée. D'appeler les prophètes, d'appeler les pasteurs et autres pour consulter. Non, toi-même, va au devant de ton Dieu et dis-lui, Seigneur, voilà, Seigneur, ceci, Seigneur, il va te regarder. Et s'il voit que tu es sincère, il va t'exaucer. Excusez-moi, je vous aime beaucoup. Et vous savez que mon but, c'est que vous soyez indépendants. Mais excusez, cette année-là, je le dis et je le répète, les gens qui ont envie de causer, les gens qui ont envie de s'amuser, les gens qui ont envie de quoi? De bavarder pour rien. Les gens qui ont juste envie... Excusez-moi. Les gens qui ont juste envie de quelqu'un et qui perdent le temps là, ça ne sera pas votre portion cette année là. Parce qu'ils ne vont pas seulement vous perdre le temps. Ils ne vont pas seulement vous perdre le temps. Ils vont vous aider à perdre votre chemin. Ils vont vous aider à perdre votre destinée. Ils vont vous aider à manquer votre percée. Ils vont vous aider à manquer la visite de Dieu. Ils vont vous aider à rater votre destinée. Parce que vous ne savez pas vous entourer. Vous ne savez pas choisir vos priorités. Vous ne savez pas sur quoi il faut se concentrer. Ils vont créer des histoires, des disputes. Au moment où le Seigneur est juste à 2 minutes de te bénir. Parce que vous ne savez pas choisir vos compagnons dans la vie. Cette année, je ne me laisserai pas distraire. Mon frère, cette bataille, tu aurais pu la gagner depuis longtemps. Mais le diable s'est assuré de mettre des alcooliques autour de toi, des gens qui n'aiment que le football autour de toi, des gens qui n'aiment que débattre des débats politiques. Ils ont le temps pour débats politiques. Tu n'as même pas d'argent pour payer ta facture, toi tu es en train de faire débats politiques. Vous savez qu'il y a des gens qui sont nés pour les débats politiques. Et c'est leur truc. Vous comprenez? Eux là, ils veulent ou ils veulent pas, ils vont réussir dedans. C'est leur domaine. Toi tu es là, tu es au chômage, au lieu de chercher quelque chose de bien à faire, tu es en train de débattre, débat de football, débat de quel match, débat de tel... Tu penses que c'est ça, tu vas sauver ta famille? Tu es un homme. Tu penses que c'est en faisant ces conneries-là, tu vas sortir ta famille de la galère? Ta femme, tes enfants, tout le monde te regarde. Et tu es là, tes deux gros pieds-là croisés sur table, en train de regarder journal télévisé tous les jours du matin au soir. Si ce n'est pas RFI, tu es devenu journaliste, on ne sait pas. C'est la vérité que je dis. Tu ne peux rien assurer à ta famille avec ça. Tu es un homme. Un homme, ça prend des responsabilités. Un homme, ça travaille. Un homme, ça bosse. Un homme, ça n'abandonne pas. Un homme, ça ne relâche pas. Un homme, ça ne renonce pas. Un homme, ça ne recule pas parce qu'on lui a dit non. Un homme est un homme. Un homme est destiné à gagner un point, c'est tout. Parce qu'il y a du monde qui compte sur lui. Parce qu'il y a une femme qui compte sur lui. Parce qu'il y a des enfants compte sur lui. Parce qu'il y a une grande responsabilité sur ses épaules. Et quand cet homme échoue, c'est sa famille qui s'effondre. Quand cet homme échoue, il a mis madame dans la galère et autres. C'est pour ça que la Bible déclare que celui qui vole son père met sa main en fuite. Vous voyez que Salomon, il était malin. Salomon est sage. Parce que si tu as volé tout l'argent de ton père, tu mets ta main en fuite. Mais vous n'allez pas aussi être là pour attendre que les hommes fassent tout. Vous croyez que je vous ai oublié? Ah, ils sont en train de dire, bien dit, ah oui, bien dit. Ah, papa, Dieu te bénisse. Je vous récupère maintenant. Une femme doit être une inspiratrice. Une femme doit être une motivatrice. Une femme ne vient pas s'asseoir dans le foyer pour se jouer les femmes. Pour se jouer les femmes que quelqu'un va amener dans les restos, dans les... Tu penses que quoi? Tu penses que la vie là, ça tourne autour de restos et romantisme? Tu penses que la vie là, ça tourne autour de restos, boîte de nuit et romantisme? Romantisme, il n'est pas romantique, mais il n'est pas romantique si au moins il pouvoir. C'est déjà essentiel si tu es dans la sécurité, la paix du cœur. Oui. Femme. Quand vous allez voir les choses dehors là, vous devez comprendre que dans la vie là, il y a des niveaux et des niveaux.
C'est la vérité. Dans la vie, il y a des niveaux et des niveaux. Vous êtes là en train de vous comparer seulement aux autres. Vous êtes là pour des vies de comparaison. Tout ce que vous voyez dehors, vous voulez amener chez vous. Mais ce n'est pas la même réalité. Tous doivent se mettre, c'est-à-dire qu'on doit tous mettre la main à la pâte. La femme peut être le soutien pour l'homme. Le fait que derrière une grande femme, il y a un grand homme, il y a une grande femme. Mais derrière une grande femme, il peut y aussi avoir un grand homme. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous voulez que ça commence toujours chez quelqu'un? Oui, la femme aussi doit se responsabiliser. Elle doit avoir des objectifs dans le foyer. Il y a des femmes qui sont là, tout ce qu'elles savent. Mon mari, mon mari, mon mari. Dans le jour, le mari est au chômage, tout le monde est au chômage. Elles n'ont pas compris le sens de la vie. Imaginez un foyer dans lequel monsieur prend ses responsabilités et madame aussi ses responsabilités. Mais c'est sûr que dans ce foyer, le jour où il y a un problème, les gens peuvent se soutenir. Mais les gens dans notre monde maintenant aiment tellement mettre leur poids sur les autres, aiment tellement profiter des autres, est tellement exploité que le jour que l'autre a des problèmes, tout le monde est dans les problèmes parce qu'ils n'ont pas compris que dans la vie, ça c'est mon point de vue. Peut-être que certains vont croire que je suis dur pour ça, ils vont croire que l'eau gilet. Non, c'est mon point de vue. Dans la vie, on prépare d'abord certaines choses et après, on profite du temps. Bien aimé, si tu as mis ta famille en sécurité, tu peux profiter du temps. Bien aimé, si tu as assez d'argent pour sauver ta famille, même si tu es au chômage pendant un an, tu peux profiter du temps. C'est vrai que la vie est courte parfois et que de temps à autre, qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut profiter de la vie. Mais, bien aimé, il faut au moins un minimum de responsabilité d'abord avant de s'amuser. Il faut au moins un minimum de stabilité. Mais il y a des gens qui n'ont aucune stabilité. Leur avenir est flou. Leurs descendants sont en danger. Ils ne comprennent même pas où leur vie va. La sorcellerie les tourmente. Ils ont des problèmes jusqu'au cou. Mais ils sont assis comme s'ils étaient totalement ignorants que d'ici demain, il y a une bombe à retardement qui risque d'exploser. Et là maintenant, quand il arrive seulement un petit détail qui t'empêche d'aller au travail, toute la famille a des problèmes. Parce que tu n'as pas compris que la vie n'est pas un jeu. Et que pour mieux jouer le jeu de la vie, il faut trouver son point d'équilibre. La vie n'est pas un jeu. Pour mieux jouer le jeu de la vie, si la vie devenait un jeu, il faut trouver son point d'équilibre. Mon frère, ma soeur, j'ai terminé ma petite diffusion. Je vais te poser la question de savoir. Je vais te poser cette question. Réponds-moi honnêtement. Si demain, il t'arrivait d'être invalide au point d'avoir besoin de tes amis, combien de temps penses-tu que tes amis resteraient avec toi pour te soutenir? Si demain, il t'arrivait de ne pas avoir de boulot, combien de temps penses-tu que ceux qui sont autour de toi te soutiendraient? Si demain, il t'arrivait d'être réellement coincé. Vous voyez, ce à quoi je veux attirer votre attention. Il y a des cas où ton mari peut te soutenir, mais il ne peut pas aller au-delà de ses capacités. Il y a des moments où ta femme peut te soutenir, mais elle ne fera que ce qu'elle peut. Il y a des moments où les amis seront là pour t'encourager. Il y a des moments où ton patron te soutiendra. Il y a des moments où tes amis te pousseront. Mais après tout ça là, il va arriver un moment où ils vont te laisser pour que tu continues seul le chemin. Donc, tu dois comprendre que c'est vrai que tu as du monde autour de toi. Mais ce n'est pas un acquis. Parce que même dans les cas que j'ai cités,
Tu peux te rendre compte que tu croyais que tu avais des gens autour de toi, mais tu n'as que les gens qui ne pensaient qu'à leur tête. Je vous assure. Voici pourquoi je veux qu'aujourd'hui, tu décides réellement ce que tu veux. Cette bataille, tu peux la gagner. Bien aimé, imaginez que j'ai envoyé des audios aux gens qui ont décidé de réciter, de se concentrer pendant une semaine. Le miracle s'est produit. Imaginez que tu décides maintenant réellement de prier pour ton problème de mariage. Ma sœur, une semaine, tu dis rien d'autre à Dieu. Mariage, au nom de Jésus, l'homme fort anti-mariage soit renversé. Au nom de Jésus, malédiction anti-mariage, pendant une semaine, concentre-toi réellement sur ça. Ça dit que ta feuille n'a qu'un seul point de prière. Matin et soir. Quoi? Mariage. Le diable va injecter plein d'idées. Plein d'idées. Matin et soir. Le tonnerre contre celui qui bloque mon mariage. La foudre, l'épée. Matin, midi, soir. Tu as pris un jeûne de 3 jours. Matin, 12 heures de prière, mariage. Bien aimé, je te garantis, en moins d'un jour, en moins de 2 jours, cela se débloquera. Vos prières désordonnées que vous faites et puis vous dites que vous priez là, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça on prie. Le diable sait de quoi tu as besoin. Le sorcier est assis sur ton mariage, assis sur tes papiers, assis sur ton argent. Ton petit agent, tu dois avoir pour faire tes projets. Ils ont bloqué. Alors, tu as quoi avoir à perdre le temps derrière des pasteurs pour chercher prophétie? Tu as quoi avoir à perdre le temps derrière une loge pour expliquer tes rêves? Vous choisissez mal vos prières. Vous orientez mal vos prières. Vous cherchez de mauvaises choses. Les prières. Bien aimé, quand vous voyez dans mes livres, je donne beaucoup de prières. C'est pour vous permettre de détecter quel est votre problème, pour vous focaliser dessus. Si ton problème est la colère, par exemple, si ton problème c'est parce que tu n'arrives pas à trouver de boulot, mais ta prière doit être focalisée que sur ce qui te dérange. Alors, on dit qu'on a des problèmes, on se promène pour chercher des pasteurs. On dit qu'on a des problèmes et on prend un temps énorme pour bavarder. Et le problème lui-même, il est négligé. Il est négligé. Beaucoup d'enfants de Dieu, durant mes programmes, ont découvert leurs problèmes. Ils n'ont pas le temps de s'en occuper. Parce qu'il y a des pasteurs qui sont là, qui n'ont rien à faire, qui vont prier pour eux. Reste là. 2019 arrive. Bien aimé, débloquer une situation, c'est tellement facile. Et moi, j'en viens à la fin pour te dire, c'est comme ça que moi je prie. Bien aimé, si je veux que Dieu débloque mon voyage, est-ce qu'il y a besoin de me laisser distraire? Je veux que Dieu débloque quoi? Mariage. Qui débloque quoi? Mariage. Qui débloque quoi? Mariage. Qui débloque quoi? Voyage. Tu veux qu'il te donne quoi? L'argent. Ils sont ainsi sur tes finances. Tes finances sont bloquées. Ton agent est bloqué. Tes papiers sont bloqués. Ça là, est-ce un problème ça? Non. Sorcier qui est dessus là, je vais le brûler tellement, je vais le brûler. Oh, je vais tellement le brûler qu'il va dire, prends ton truc, tu me laisses tranquille. C'est la vérité. Les enfants de Dieu prient mal. Ça là, ils ne veulent pas qu'on en parle. Ils prient mal. Il prie mal. Quel sorcier qui est assez grand pour résister à ta prière? Donne-moi une seconde, s'il te plaît. Donne-moi une seconde. Désolé. Ce que je tente de vous donner, c'est un détail important. L'ennemi sait qu'une seule chose constitue la clé. La clé. C'est parce que vous négligez vos sujets. Bien aimé, c'est parce que vous négligez vos sujets. Regardez, ils savent
Ce que je vous dis là, ils savent. Une seule chose est bloquée dans ta vie, toute ta vie est bloquée. Ou bien, un seul problème est rentré dans ta famille, toute ta vie est bloquée. Une seule chose est arrivée dans ta famille, toute ta vie est bloquée. Une seule chose manque dans ta vie, tu tournes en rond. Un papier te manque, tu tournes en rond. Un certificat qu'on doit signer, quelqu'un qui est absent, mais ils savent que actuellement où tu es là, c'est d'une seule chose dont tu as besoin pour que toute ta vie progresse. Et c'est cette chose-là qu'ils ne veulent pas que tu te concentres pour libérer. C'est cette chose-là qu'ils ne veulent pas que tu te concentres. Peut-être qu'ils t'ont attaché, non? Moi, dans mon cas, ils m'avaient attaché. Vous savez où ils m'ont attaché? Ils sont allés m'attacher dans l'eau. Mais une fois que j'ai brisé cette corde-là, je suis libéré. Ma vie a commencé à progresser. Peut-être qu'ils t'ont emprisonné. Tu sais ce qui se passe dans ta vie. Les chrétiens, on est devenus très paresseux. Pardonnez-moi, je vais le dire. Très paresseux. Désordonnés dans la prière. Désordonné. Un milliard de sujets. Tous les jours, je prêche. Dès que je ne prêche pas, ah frère Loche, tu ne nous envoies plus d'audio. Je ne vais pas vous envoyer d'audio. Achetez les livres aussi. Achetez les livres. Vous aimez gratuité. Frère Loche, tu ne nous envoies plus d'audio. Ça nous fait du bien. Ça vous fait du bien. Moi, là, moi aussi, ça me fait du bien. Voilà. Vous devez comprendre que les audios que je vous ai envoyés sont des bonnes prières. Est-ce qu'il y en a qui les écoutent? Ils ne les écoutent même pas. Tu leur dis de partager, même il y en a qui ne partagent pas. Ce sont des prières que Dieu m'inspire des fois à 2 heures du matin, 3h, 5h du matin, j'enregistre, je vous envoie. Il y en a qui banalisent et puis maintenant, frère Eloge, nouvelle prière parce que frère Eloge n'a rien à faire. Quand je parle comme ça, on dit oui, il est comme ça, il parle mal, il parle comme ça, il se fâche vite. Comment me fâcher? Me fâcher contre quelqu'un qui veut foutre sa vie en l'air, pourquoi? Frère, tu donnes conseil à quelqu'un qui veut foutre sa vie en l'air, tu as quoi te fâcher? Mais il n'a qu'à aller foutre en l'air s'il y a conséquence à... C'est chez toi encore, il va me demander conseil. C'est la vérité que je vous dis. Parfois, c'est une seule chose qui bloque quelqu'un. Malade pour un seul problème. En retard pour un détail. Pour un mari qui ne vient jamais. Bloqué par un mari, pour un mari qui ne veut pas se marier. Qui ne veut pas te doter. Tu es bloqué parce que tu n'as pas de travail. Tes papiers bloqués. Donc, tu dois comprendre que si ta vie doit avancer, il faut que ton papier soit débloqué. Donc, pour que ton papier soit débloqué, il faut que celui qui est assis sur ta vie, là, il tombe. C'est tout. L'homme fort doit tomber par l'épée. Ouh, bien aimé, sorciers, ils sont pas forts. Oh. Tu brûles. Avant, est-ce que je pouvais m'imaginer que Dieu voulait me bénir? Non. J'étais loin de m'imaginer que j'allais être un jour béni. Mais, quand j'ai commencé ma prière, il y a fait plus d'un mois. Un mois de minuit à 6h du matin. Oh, minuit 6h du matin, j'ai dit, même des sorciers que je ne connais pas sont venus dans mon rêve. Tiens, ça là, j'étais volé. Tiens, laisse-nous tranquille. Ce n'est pas on qui dit. Je suis devant la caméra, le monde entier me regarde. J'ai menti pourquoi? Je vais vous faire comprendre que vos prières sont puissantes. Mais c'est parce que vous ne savez pas ce que vous voulez. Beaucoup d'enfants de Dieu dorment sur Facebook, beaucoup d'hommes sur Instagram, beaucoup d'hommes sur WhatsApp, beaucoup d'hommes et foutent leur vie en l'air. Ils savent pas ce qu'ils veulent, ils s'amusent, ils ont aucune priorité. Va les soulever, anniversaire, ils sont dedans, va les soulever, tant, ils sont dedans. Ils se baladent comme ça, toute leur vie là, c'est comme ça, ils n'ont aucun objectif, rien, ils savent même pas où ils vont. Se baladent, leur vie ne leur dit rien parce qu'ils ont un semblant de paix. C'est quand la réalité les rattrape qu'ils ouvrent les yeux. Bien aimé, je me bats pour ma vie. Je sais que tu te bats pour ta vie, mais je pense que nous pouvons choisir de gagner ou de perdre. Mais moi, je vous exhorte à choisir de gagner votre bataille. Et je sais que vous pouvez gagner cette bataille. Je sais que vous pouvez gagner votre bataille. Lorsque j'ai calculé ma vie, bien aimé, n'étant pas capable d'aller au collège, ayant été abandonné, qu'est-ce que je fais, Éloge? Là, tu n'as pas fait le collège, tu as juste arrêté à l'école primaire. Qu'est-ce que tu choisis de faire? Là, j'ai dit, collège ou pas, je réussirai. C'est tout. Collège ou pas, j'irai jusqu'au bout. Quand j'ai commencé à chanter ma chanson, Poursuis ton rêve, c'était pour moi-même que j'avais chanté la chanson. Écoutez ma chanson, vous allez voir.
poursuis ton rêve. Et quand j'ai commencé, quand j'ai chanté, Dieu fera quelque chose pour toi. Je disais, Dieu fera quelque chose pour moi. Je le sais. Toute ma foi était sur Dieu. Écoutez mon album, vous allez voir. Toute ma foi était sur Dieu. Toutes mes chansons, c'était dû. Mes chansons disaient, Dieu le fera. Et chaque nuit, je ne dormais pas parce que quand j'ai regardé autour de moi, j'ai constaté que parfois tu peux avoir du monde autour de toi, mais tu n'as personne. J'ai constaté que tu peux avoir du monde autour de toi, mais à des moments où tu sens que tu n'as personne. Tu l'as peut-être toi-même aussi constaté déjà. Tu as une grande famille, une grande communauté, des amis. Tu ne peux même pas les compter même. Mais il y a des situations que tu traverses qui te montrent que, en réalité, tu n'as personne. Alors, pour ne plus te retrouver face à des situations aussi décevantes que celles dont je suis en train de te parler, tu dois choisir de gagner aujourd'hui. Décide réellement ce que tu veux. Décide réellement qui tu veux être en 2019. Décide réellement si cette situation doit continuer ou ça doit s'arrêter. Décide réellement si tu dois continuer de te distraire, de dormir sur Internet, de bavarder. Pendant ce temps, tu n'as même pas encore ouvert ta Bible pour la méditer. Tu n'as même pas encore ouvert ton livre de prière pour combattre. Tu n'as même pas encore pris même 2 heures de combat pour dire, laissez-moi tranquille, je suis fatigué. Tes petites prières de 10 minutes, tu prétends que tu pries. Bien aimé, tu penses que ça suffit? Tu penses que ça suffit? Ça suffit de dire 2 mots et d'attendre que Dieu te bénisse? Tu penses que ça suffit? Tu penses que ça suffit? Avec cette sorcellerie qui fait rage dans ta famille, tu penses que ça suffit? De passer ta vie, non seulement tu ne veux pas abandonner le péché, la fornication, l'immoralité sexuelle, la débauche, les critiques, la jalousie, la haine, les conneries que tu fais, mais est-ce que tu penses que, avec tout ce que Dieu a mis en toi, la grâce du Seigneur sur toi, la faveur qu'il a mis sur toi, tes bénédictions que l'ennemi combat tant, tout ce que tu es en train de faire là, tout ce que tu vas devenir, tout ce qui attend que le moment de se manifester, tout ce qui n'attend que ta prière. Regardez, tu penses que ça suffit? Tu penses qu'être une belle femme, ça suffit pour que tu sois mariée demain? Je suis désolé, arrête de rêver. Arrête de te faire des illusions. On a vu trop de belles femmes qui sont au chômage. Trop de belles femmes, les hommes jouent avec elles. Parce qu'il y a des malédictions à briser qu'elles ignorent. Tu penses qu'aller à l'école, ça suffit pour devenir quelqu'un? Combien ont des diplômes qui ne leur servent à rien? Combien ont fait l'université pour rétrograder, pour aller faire un autre boulot? Combien ont étudié, poursuivi? Tu penses que ça suffit? Pense à ce que je t'ai dit ce soir. Je ne l'ai pas dit pour te choquer, nous avons déjà terminé. Mais je veux que tu prennes conscience du fait que si tu veux gagner cette bataille, tu dois savoir ce que tu veux réellement. Que Dieu vous bénisse. Je suis l'évangéliste, écrivain, conférencier, logique ici. Nous serons en direct demain sur YouTube, Facebook et Periscope. Allez-y sur ma chaîne YouTube, abonnez-vous et cliquez sur la cloche. Si vous êtes déjà abonné, que vous n'avez pas encore cliqué sur la cloche, allez-y, cliquez sur la cloche des notifications. Comme ça, vous n'allez pas rater nos vidéos. Il y a des gens qui ne savent pas quand je passe en direct. Alors que Dieu vous bénisse. Je sais que nous pouvons gagner cette bataille. Enfant de Dieu, je vous aime beaucoup. Et sachez que tout ce que je suis en train de faire, c'est le meilleur qu'un homme de Dieu, qu'un père spirituel puisse faire. Motiver ses enfants, les réveiller, les encourager à gagner leur bataille. Vous voyez? Il y a des gens qui préfèrent les pères spirituels gentils, doux, comme un agneau là. Ça là, ça n'aide pas. Si tu cherches un père spirituel comme ça, c'est pas moi. Il faut aller ailleurs. Éloge là. Voilà, il ne va pas changer. Ok? Donc, désolé d'être si véridique. Je vous aime beaucoup. Mon numéro de téléphone pour ceux qui ont besoin d'acheter des livres ou ceux qui veulent, d'une manière ou d'une autre. Mon numéro de téléphone, c'est le 001-438-995-409. 001-438-995-409. Mes livres de combat sont encore en promotion sur mon site. On a juste monté légèrement les prix.
après la promotion, mais les livres sont toujours en promotion. Profitez, l'année est en train de finir et que Dieu vous bénisse. On sera en prière. Partagez cette vidéo et c'est un plaisir pour moi de vous aider. Alors, pour recevoir les prières, pour ceux qui ne m'ont pas encore ajouté sur leur WhatsApp, mon WhatsApp c'est le 001-438-9954-109. Je répète, 001-438-9954-109. Alors, décollage imminent, que Dieu vous bénisse.